feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Et bonjour tout le monde, on se retrouve en Wolves. Tout simplement, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas fait le Wolves. D'où déjà cette vidéo évidemment. Mais aussi, c'est pour une petite occasion. Je viens de récupérer un ordinateur portable. Et du coup, je me disais que j'allais faire une petite vidéo dessus. Histoire de faire un test de qualité de vidéo. Donc voir un peu la qualité après rendu sur YouTube. Voir aussi le temps que ça me prendra de faire le rendu et si ça lag pas trop non plus pour filmer en même temps que je joue. Voilà, c'est un peu tout ça pour voir comment ça se passe. Je vais reculer un peu mon micro, voilà. Et bon, on prend un peu de bois et on va vite y aller parce que bon, il y a quand même du fer sur cette map évidemment, on sera jamais en manque, mais bon, faut toujours se grouiller. Voilà. Donc je vais préciser les caractéristiques de ce PC pendant la vidéo, puisque j'ai le temps de parler. Sort déjà que c'est un PC portable HP, ProBook. Donc ProBook, c'est ProBook, d'ailleurs c'est professionnel, j'ai récupéré ça gratuitement. Et du coup, il y a un i3, 2 GHz 2. Donc ça c'est typique des portables d'entrée de gamme. La graphique, il n'y en a pas, enfin c'est plutôt celle qui est intégrée au processeur, la HD graphique 3000 simplement. Donc rien de très puissant. Hein. Vous, normalement quand vous mettez pas Optifine, vous devez être à 20 fps. Enfin oui, j'étais à 20 fps sans Optifine sur Windows. Puisque, petite surprise, j'ai... ah oui, donc ouais, faut que j'aille ici. J'ai installé OS X. C'est un PC portable qui est très compatible avec OS X. Donc vous verrez ça dans la vidéo présentation de mon setup, qui viendra normalement pour les vacances. Et je vous présenterai rapidement donc tout le matériel, dont le PC portable, et vous verrez que j'ai réussi à installer OS X, donc le système d'exploitation de Mac, enfin de Apple. Et du coup, ça me permet d'être plus fluide parce qu'il y a une optimisation de l'hardware sur déjà sur OS X, mais ensuite, enfin c'est juste ça, ouais, une optimisation de l'hardware qui fait qu'on tourne un peu mieux les jeux sur sur Mac. Mais ça veut pas dire que c'est dédié au gaming, hein, OS X, loin de là, c'est Windows, mais juste le fait que, en fait, c'est les Mac qui sont pas dédiés au gaming. Le système en lui-même est bien optimisé, mais il y a aucun jeu qui est produit déjà sur OS X, donc déjà. D'où le fait que c'est pas pour les gamers. Et ensuite, les machines qui font tourner OS X habituellement ne sont pas assez puissantes pour faire tourner les jeux. La plupart du temps. On va pas créer un débat là-dessus. Faut monter en gros haut dans les prix pour pouvoir faire tourner des jeux sur un Mac. Voilà. Ce qu'on va dire comme ça. Bref, ne lançons pas le débat dans les commentaires. Et donc je disais, voilà, j'installe OS X et ça me permet d'avoir une meilleure performance. Et avec Optifine, je tourne entre, on va dire, 50 et 100 FPS. Et je peux filmer à 30-40 FPS. Donc c'est suffisant pour un PC portable d'appoint, parce que bon, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais j'utiliserai pas ce PC portable tous les jours. C'est loin d'être un PC puissant, comparé à ma bête. Et donc du coup je l'utiliserai que il donne une intro, oui. Les intros, vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'en demandent. Alors moi je suis d'accord, mais vous savez, ça prend du temps en fait à faire une intro. Et quand il y en a 10 personnes qui me demandent, bah en fait voilà, ça va pas être possible quoi. C'est compliqué. Et puis après bon, je fais ça pour m'amuser, les intros aussi. C'est quelque chose que je fais pour m'amuser. Et aussi pour rendre service, on va dire. Et du coup, c'est vrai que ça me prend pas mal de temps, donc je veux pas non plus en faire à tout bout de champ. Faut savoir que c'est assez sombre comme écran. Du coup, la vidéo elle est pas très. Enfin, je sais qu'elle sera pas énorme, donc je vais corriger ça au montage. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir tester aussi les performances au montage. Voir si ça tourne, tout ça, le rendu, qualité de vidéo en sortie, enfin bon. Tout ça, tout ça. Et du coup, on va même faire slash surface. Voilà, on est bien. En plus,
clavier est agréable. Mais bref, donc parlons à propos des intros. Voilà, vous voyez que j'en fais un peu pour m'amuser, pour des gens que j'aime bien. C'est pas parce que je vous fais pas l'intro que je les aime pas, c'est juste, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de temps. Déjà pour jouer, mais en plus faire des intros à côté. Surtout que là, on a un petit truc, bah, y a la surprise, les surprises des 3000 abonnés. Petit indice. Donc, autant vous dire que on a du boulot quoi. Parce qu'on prépare les 3000 abonnés. T'as cru télécharger mon fer, c'est protégé. Donc, voilà, voilà pour les intros, je vous ai parlé de ça. Donc, on continue à parler du PC portable. Donc, voilà, sous SX i3, j'ai pas parlé de la RAM, il y a 8 Go de RAM. Je viens d'en acheter 4. J'ai récupéré le PC avec 4 Go. Et je me suis dit que j'allais mettre 8 pour faire du montage vidéo. Ça m'a coûté 35 € la RAM, le bar de RAM. Et aussi la batterie était morte, donc j'ai racheté une batterie pour aller en déplacement, etc. C'est plus pratique. Et elle m'a coûté 26 € la batterie. J'ai trouvé un endroit sur eBay, vraiment une très bonne affaire, quoi, neuve et tout ça. Et elle m'est revenue vraiment à pas du tout cher hein, comparé à ce que je voyais avant, comme prix. Savoir que c'est assez cher une batterie d'ordi portable. Que là, j'ai réussi à trouver quelque chose de sympa sur eBay. Donc, voilà. Donc, je tourne un peu avec des frises de temps en temps, etc. C'est pas bien grave. Je peux largement jouer. Alors, j'ai fait deux épées comme un con, mais en fait, je sais que j'aurai pas de sharpness 2. Étant donné qu'en plus, je parle beaucoup, donc je joue pas énormément là. Je vais chercher plutôt du fer parce que bon, y a pas énormément de charbon. Enfin, si, mais je le vois pas. Et voilà, les mecs qui font ça. Ah, ils mettent des torches, sympa. Tac, 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 tac. Chercher du charbon, mais je vois vraiment rien, donc attendez, on va faire comme ça. Ça sera bien mieux. Tac, tac, oui, je voyais pas, donc voilà. C'est bon. Bah, maintenant, on va pouvoir XP. J'aurais pu me faire une pioche en fer, mais c'est pas grave. Non. S'ils prennent tout le charbon, ça va pas aller, les gars. Qu'est-ce que j'ai à parler d'encore? A priori, rien. Si. Aussi, donc sur le PC portable. Je suis sur SX et bon, bref, plutôt sur tout ordinateur portable qui se respecte, vous pouvez pas faire non plus un certain nombre de. Vous n'êtes pas appuyé sur un certain nombre de touches de clavier en même temps. Enfin, ça dépend des PC portables, mais bon. Et là, il se trouve que sous Windows, je pouvais. Bon, là, maintenant, je peux plus. Sous SX, donc déjà, je sais que c'est le software qui bloque le fait que je puisse faire des commandes là, donc c'est carrément n'importe quoi. Et au pire, la résistance tronçon les couilles. Et en fait, là, pour taper, en fait, vous savez, maintenant, il y a contrôle qui est apparu. La touche contrôle pour sprinter sans arrêt. Et du coup, moi, j'ai mon doigt qui est sans arrêt dessus. Donc, quand je tape quelqu'un, évidemment, je sprinte. Parce que quand vous tapez quelqu'un, c'est mieux de sprinter pour pouvoir avoir l'avantage sur lui. Et il se trouve que là, je ne peux pas taper, je peux pas cliquer quand je suis en jeu. En même temps que je. Et là, c'est ce qui m'est arrivé là. En même temps que je. Que j'ai plus de contrôle et du coup c'était problématique, je perdais tous mes fights parce que je pouvais pas courir en même temps et double cliquer sans arrêt sur la touche pour avancer, c'est un peu, enfin c'est devenu chiant, enfin tant vous dire que pour se battre c'est beaucoup moins bien. On a pris l'habitude du contrôle et du coup j'ai dû changer ma touche par rapport à mon PC normal. Je mets mage pour courir, donc je peux taper avec mage. Quand j'appuie sur contrôle c'est pour sneaker, donc j'ai inversé les touches. Et j'ai inversé les touches et. Attendez, je vais mettre ça ici. Et donc, du coup, bah, bon, c'est un peu perturbant par rapport à mon PC qui est normal, évidemment. Ah, les chances aujourd'hui, hein. Tant vous dire que c'est pas tous les jours que ça arrive, ça. Et on va mettre le charbon là-dedans. Bon, je n'ai plus en trop, c'est pas grave. Oh, putain, nickel, quoi. Merci pour les levels, je viens de te dire. Qu'est-ce qu'en faire? Non, je sais pas comment l'équiper. Oh, c'est chiant ce bug. Projectile protection, bon, ça nous permettra d'éviter un petit demi-cœur par-ci par-là.
Si on se prend des flèches. Par contre, là, ouais, je vais juste éliminer un peu plus de fer quand même parce que. Tant vous dire qu'il n'y en a pas assez pour me refaire un level. Ma pioche va crever, je ferai slash or face. Ça va plus vite. Donc voilà à propos du PC portable. Donc aussi bah, comme je vous dis au niveau de la qualité, ça va être un peu moins bon, mais c'est des vidéos que je ferai en déplacement, c'est-à-dire simplement, on va dire chez Ben ou chez Guillaru, si je vais chez eux, puisqu'on se connaît IRL, on habite à côte, je peux emmener mon PC portable chez eux et du coup filmer là-bas pour avoir plusieurs points de vue par exemple. Là je bon elle a cassé, bon on remonte alors. Là du coup je filme avec ce PC portable. Et aussi sinon en déplacement peut-être en vacances ça me permettra de donc d'avoir quelque chose pour filmer en appoint. Mais jamais un PC fixe, enfin jamais l'utilisation souvent quoi on va dire. Je filmerai jamais avec celui-là sauf quand j'en ai besoin on va dire. Mais sinon, ouais, jamais. Et on va se réenchanter un casque dès qu'on aura un level. T'en dirais combien? 3 minutes 47. On papote tranquillement, pas de problème. L'autre il vient pas récupérer ses lingots, je sais pas, enfin. Il en veut vraiment, je sais pas. Puis j'en donnerai à un mec que je vois pas entièrement stuff, comme ça il sera un stuff. Si c'est à cause de moi. On a un gars qui est ici. Ah ouais, merde. Merci. Merci bien. Pas de charbon ici. Non, bon. Vas-y, joue avec le lave si tu veux. Ouais, faudra vraiment que je remonte la luminosité au montage. L'avantage aussi, ouais, de OCX, c'est que vous avez des logiciels de montage... simple comme iMovie et puissant tout de même, mais aussi Final Cut Pro qui a beaucoup plus de possibilités et avec lequel j'ai fait le montage et ce que je voulais essayer tout simplement. J'étais curieux d'essayer ces logiciels et bon, voilà, c'est chose faite. Ouais, ils sont là ici et du coup bon, je suis on va dire un peu déçu par rapport à Vegas Pro, bah, surtout j'ai pris beaucoup plus la main sur Vegas Pro et donc du coup je sais il y a du charbon aussi, j'ai pas vu hein. C'est vraiment horrible et du coup je sais vraiment comment utiliser Vegas Pro, tandis que sur Final Cut j'ai encore un peu de mal. Merde, mais putain, le problème c'est que je m'en sors pas avec le sneak et tout ça. Je vais lâcher sneak, commencer à miner et sneaker parce que vous savez j'ai un tic, c'est miner en sneakant quoi, donc autant vous dire que je fais ça toujours. C'est pratique en UHC en plus. J'ai vu que j'avais un level donc je vais remonter. T'es full iron, bon t'as pas de problème alors. Ça fait briser le PC. Ça fait briser le PC dès que je pose des torches. Ah, tout à l'heure, j'ai lancé des boules de neige en wools. Oh là là, quand ça frisait. Ah putain, projet de protection, t'es sérieux. Bref, bon, on prend ça comme ça. Tiens. Tu as pas dû faire ça, toi, que j'ai toujours dû faire. Donc, si tu le veux. C'est comme tu veux. Bon, ok. Par d'ici, s'il te plaît. Bon, voilà, c'est quand même un table enchante. Va se préparer tranquillement, va se barrer en 0-0. Spawn. En fait, j'attendais. Ouais, donc on est bien sur Candyland, ouais, nickel. Donc on a bien les strengths au mid. Donc va pas falloir que je lag en ouvrant le coffre parce que sinon c'est la merde quoi. Déjà, je fais du Tenlock, ça lag. Ouais, vous voyez, c'est quand même. C'est pas la crème quoi. Comparé à mon autre PC fixe. Où j'ai masse FPS. Là, 60. What the fuck? 60. 56. Ouais. Alors, en fait, c'est pas des vrais 60. Autant vous dire que c'est. Ça, je ressens plutôt du 25 FPS que du 60, en fait. Voilà, parce que je suis en record. Donc, voilà. Mais je ressens beaucoup plus du 25 que du 60. C'est pas vraiment.
Bon, c'est normal. Personne n'attend ici. Bon, moi, je vais aller prendre les strats. Hein. Faut que personne en ait, parce que autant vous dire que... Sinon, on est dans la merde. Il va aller faire pas mal de kills, hein, évidemment. Pas déconner. Merci. Merci. Il avait manqué. Bref, voilà, on a choisi toutes les strengths, comme ça moi c'est bon. On n'a pas le problème à se poser. Ouais, c'est chiant, la boussole elle bug beaucoup. Ne dites pas que... Ah, ils ont ce qui passe. Vivement les Feather Falling 10. Vivement les Feather Falling 10. Moi je vous dis, je vais les avoir. Faut... Voilà, faut attendre un peu. On a fait quelques wins avec Sly, donc on gagne des coins. Putain, c'est du two shot, c'est n'importe quoi. Prot one. J'ai un arc, j'ai des flèches. Vas-y, on va descendre. Je réactualise la boussole parce que c'est vraiment. C'est vraiment buggy. Ils ont fait une update tools pourtant. Regardez-moi ça. Qui est bien là-haut. Bref, on va le laisser vivre. Encore un peu de strength. Serait-ce un verre ici? Et mec, il met une poison, il est sérieux. 10 secondes de poison, bon, ça va, c'est pas dégueulasse. Alors. Please stop. Stop it. Et y'a un green. Et il le laisse en plus. Bon, autant vous dire que c'est OP, hein, c'est... La strength, c'est trop OP. Ah bah y'a un bleu ici. Ah bah y'a un bleu là. Il m'avait pas cramé. Mais comment il fait pour pas voir? J'ai vu un bleu ici. Ok. Dix kills, yes! J'ai fait mon achievement, youhou, je suis trop content. Allez, on continue la série des kills. Je me concentre un peu, évidemment. On va monter en skybase, je pense, parce que. Bah, il y a deux. Il reste 4 raids encore. Ce qui m'étonne pas mal, parce qu'il reste 4 raids quand même. C'est assez. Ouais, il faut que je garde mes strengths quand même, parce que bon, c'est pas infini non plus. Oh putain, ils sont tous là-haut quoi. Ah ouais! Oh le truc bien chiant! Oh, putain, là, j'ai bien emmerdé. Mais t'as voulu dire que je vous fous un parterre de trucs là, parce que là, c'est bon quoi. Il y en a un là-bas, là, je crois, un mec qui vient nous aider. Il est avec moi, lui. Ah non, c'est un raid. Non! Ah, je l'ai fait tomber. J'anticipe le saut d'un mec. Ah, il est The Grand Tourde. Non! Allez! Bill Montagal. Je vise un peu à l'arrache. Attendez, il s'est barré par là-bas. Là, il y a un mec qui est resté tout seul. Reste concentré parce que. Ok.
Ouais, c'est nickel. Il reste plus qu'un raid. Il est tout là-haut. Il est tout là-haut. Bon, pas mal, première vidéo de Wolves sur mon PC portable. Première vidéo et première réussite. Je suis assez content. Ouais, je suis assez content. C'est pas mal. Désolé pour le commentaire, il est un peu léger. Mais enfin bon, je vais quand même pas mal parler au début. Hein. Pas déconner. Pomme gold, au pire, on s'en bat les couilles. Va monter tout là-haut. Putain. Et j'en doutais. Ok, il y a des boules de neige. Bah, en même temps, c'est la map à boules de neige, j'ai envie de vous dire. Hein. Va pas nous faire chier longtemps lui. Je suis sûr il a un stack de boules de neige en plus, c'est le pire. On va faire un parterre de flotte parce que là sinon on n'a pas fini. Attendez, il n'y a pas une pomme gold là ici qui... Bah si, il y avait une pomme gold mais... Il y a un gars qui a dû la récupérer. GG. Attendez, il est tombé dans l'eau. Pas sérieux. En plus j'avais la strength hein, donc ça lui met mal hein. Il est pas mort de coup cette fois-ci. En fait les lots avaient déjà coulé quoi. J'ai eu le temps de couler plutôt. Allez, GG, GG, pour les caméras, nickel. Allez, je vous dis à la prochaine les amis, merci de tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, see you soon, hein. See you soon.